des gens, c'est Slind. On se retrouve sur Humankind avec le signe noir. Ça va le signe? Ça va et toi? Ça va super. J'étais en train de boire, tu m'as répondu trop vite. Et ouais, ma guerre se passe. Ma guerre se passe bien. Je vais faire maintenant effectivement moins 4 de score de guerre pour mon adversaire par tour. Donc normalement, dans 12 tours, il va céder. Et ça, c'est cool. Et moi, j'étais en train de galérer avec mon influence. Mais bon, le problème étant qu'il a du coup instantanément créé une capitale juste à côté de moi, dans son autre truc. Bon, va falloir que je me déplace vers lui. Ça doit sûrement être plus ou moins scripté, quoi. Ouais. Allez, moi je suis prêt. Ouais, je t'attends. Ok, un petit boost d'influence. Alors, on a les frontières ouvertes, hein, donc on peut se balader. Ça, c'est cool. On va donc aller en profiter pour regarder un peu ce que font ces gens. Ah, il a pas aimé. D'accord. On a les frontières ouvertes, mais je rentre, il m'attaque. Bah oui. Et en plus avec une unité de merde. Bah du coup je vais lui défoncer le cul. Je suis désolé mais je ne peux pas, je suis démuni devant tant de méchanceté médiocre. Tu ne cautionnes pas sa méchanceté. Non, je ne cautionne pas sa méchanceté. Alors, je pourrais me replier là, non je pourrais pas me replier là, je pourrais me replier là. Ouais parce qu'il est quand même plus costaud hein, mine de rien. Je suis plus costaud globalement. Ah, voilà mais le il est jaune. Plus costaud unitairement. Ok, on va attendre. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. C'était gentil, c'était pas gentil. 15-30, 11-25. Ouais, ça fait chier. Hein. On est dans une forêt là. On est peut-être pas dans une forêt en fait. On n'est pas du tout dans une forêt. Putain, on est pas du tout. Je croyais qu'on était dans une forêt, mais c'est pas une forêt, c'est une espèce de caillasse à la con. Bordel! Grâce à mon influence qui se répand, les barbares d'à côté sont en train de se faire convertir. Ah, ça fait quoi ça du coup? Bah, en fait, je gagne plus 3 direct sur eux. C'est excellent. Bon, allez, on va essayer d'aller là-bas. On va jouer d'un coup. Ouais, la bataille continuera au prochain tour, hein, pas de soucis. Une raison de s'exciter. Tu m'as attaqué 300. Non. J'exige. Pas moi. Ah et du coup ils exigent de donner la ville. Ils sont assez méchants en fait en vrai. Et bah du coup on va commencer à lever des troupes. Alors, c'est comme dire ça que leurs exigences c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Là ça monte suffisamment vite, on va pas non plus s'exciter. Par contre il faut qu'on arrive à revenir là, si l'autre avec sa chariote il pouvait me laisser en paix 2 secondes. Ce serait quand même cool. Non, pas ça. Mais c'est clair que niveau influence je suis vraiment pas bon. C'est vraiment lamentable quoi. C'est vraiment lamentable. Il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose. À construire une autre ville. Ouais, l'autre ville c'est indispensable. Bah ouais, je sais, mais. Ah, mais non, mais m'attaque pas. Putain, non, m'attaque pas. Fumier. Ok. J'ai pu me déplacer plus d'une case, mais j'ai évité l'attaque. Très très bien. Alors, on va en finir. Voilà. Par contre, faut qu'on se replie là. Donc, on retiendra. On a le passage, mais il aime pas qu'on passe. Qu'on fasse tirer. Il y a un truc là. Voilà. C'est ton ami, mais il est qu'à moitié ami. Hein. C'est un peu ça, ouais. Hop, ça on va commencer à draguer aussi. Faut qu'on drague ces gens parce que. Ils sont un peu trop relous. Bah, vous, on va vous renvoyer là et on va vous transformer. Hein.
en note pop. Il faut qu'on termine notre cercle de pierre. Bougez-vous avant que... Putain. Qu'est-ce qui se passe? Une rivalité inattendue a éclaté entre les deux temples. Alors, on choisit les hommes, on choisit les femmes, ou on choisit tous? Là, je l'ai fait en attaque automatique. Non mais dis donc. On est inclusif, nous. Bon, tu vas abandonner, gars? Je devrais peut-être... Ça pique. J'aurais peut-être plutôt me replier vers là pour me refaire, en fait. Bon, là, il perd 13... il perd 16 par tour. Allez, ça devrait quand même pas traîner trop. Et hop, voilà. Je veux que je fasse ça, moi. On passe à 7 de pop, là. On va taire un peu les conneries. Ok, on est bientôt la possibilité de faire une autre ville. Non mais... Il va être grand temps. Et parce qu'on est des gros fumiers, on va la poser à côté de Babylone. Alors... Bim. Commence à faire ça déjà. Non, commence à faire ça. Non, commence à faire ça parce que ça c'est pareil, la religion faut qu'on booste un peu là. Ça c'est pas ouf. Alors Gloas, Zingolais, Assure, plus le truc. Oh, ça, c'est pénible, il me manque un point. Et ça on pourrait aller chercher là-bas. Ok, ça c'est naze, on s'en fout complètement. Hop, ça on prend. Et on essaiera de l'attacher. On va faire ça aussi assez vite. Juste après ça. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça recommence, rien, et j'ai une ville en trop là. Je perds 49 d'influence par tour. 49? Ah oui. Ils se foutent pas de ta gueule. Non, ils se foutent pas de ma gueule, non. Les Babyloniens accordent un intérêt particulier, bah écoutez, allez vous faire foutre. Mais bon, j'avais pas le choix. C'est ça le pire, c'est que j'avais pas le choix. Quand tu prends la capitale, ça en crée une autre avant. Ailleurs, dans un territoire inoccupé. Ah oui, du coup, t'es dans le mal parce que tu... J'ai 4 villes. T'as pris ces villes, quoi. Ouais, alors on va essayer de trouver une solution. C'est quoi, ça, est-ce qu'il y a un plus un ville quelque part? Non, il n'y a pas de plus un ville quelque part. Okay. Il n'y a pas du tout de plus un ville quelque part. Je pourrais pas passer de loi de bon, ça. Bah, on est un petit peu étouffé, ça y est. Hein. Et on n'a plus que ça comme troupe. Très bien. Ici, on en est où? Là, on est en train de réussir à reconvertir doucement. Ok, ça c'est bon ça. Très bien. Si je rends la ville, j'ai un peu peur que ma troupe elle disparaisse, donc on va attendre un tour. Et voilà, ça y est. Là, avec cette influence-là, on va peut-être commencer à pouvoir faire quelque chose. Et j'espère pouvoir survivre avec une ville en trop. Parce que du coup, t'es en négatif d'influence ou comment ça se passe? Je suis à moins 53 par tour. Ah ouais. Ça fait quoi quand t'es en rupture d'influence? Ta stabilité baisse partout, tu peux plus passer de loi. Ah, c'est la stabilité qui baisse, d'accord. D'accord. Mais okay, moi, faut mettre ça sur une forêt. Là, du coup... Je pourrais aller attacher ça, ça serait pas mal. Toi, tu pourrais rattacher ce truc-là, ça serait bien aussi. La thune, c'est pas la teuf non plus. Hein. Non, on va faire un peu de nourriture quand même.
Alors vous, bah vous, faut que vous fassiez un peu votre vie, hein, donc vous allez attendre de vous soigner. Là, j'ai même pas découvert. Là. J'ai eu les frontières ouvertes avec lui. Voilà, on a un petit pack de non-agression. On va aussi ouvrir nos frontières quand même. On n'est pas des bêtes. Bon. J'ai libéré donc un viking à côté de moi. Comment ça le libérer? Bah, j'ai relâché une ville. Ah, on peut faire ça 3 sur 2. Bah oui, bah heureusement. Eh bah non, mais je le savais pas. Bah sinon, quand tu peux pas annexer ni rien faire, ça picote un peu. Je n'ai pas encore la roue. Non, j'ai pas encore la roue. Ouais, il va falloir qu'on se bouge un peu. Hein. Donc là, ici, on est bon. Ici, on est bon. 364. Prochain tour, on attache ça et on commence à se bouger un peu les fesses. J'ai pas regardé d'ailleurs. Ouais. Toi, là, t'aurais pas des ressources que je pourrais t'acheter qui me donneraient de l'influence? Non. Absolument pas. Allez. Toi. T'as rien du tout. Alors, ici. On rattache ça. Hop, voilà, c'est parti. Ça va nous aider un peu. Alors, étouffer, ignorer, défiance. Ça. Ok. Ici, on va terminer ce truc-là. C'est parfait. Derrière, on va pouvoir commencer à faire quelques troupes. Quelques vrais. Ok, il a tout ça, lui. Mais je veux pas l'attaquer parce que de toute façon ça me ferait une ville et je veux pas de ville. Par contre, je pourrais très clairement aller poser ça là. Mais si je fais ça, lui va se défier de moi. Fengao a une sacrée production. Il faut qu'on fasse gaffe à la nourriture quand même. Ok, donc on va pas le chercher. A friend, few and far between. On n'a pas les moyens, sérieux? Depuis quand on n'a pas les moyens du tout, mes gueules? Ça coûte combien? Les tenteux, oh là là! C'est j'ai quoi, 70 ça de thunes quoi! C'est des coureurs et des javeliniers, ça va! Ok, ici on les travaille au corps, ici il faudrait qu'on les retravaille un petit peu plus. Pourquoi je ne peux pas? Je ne sais pas. Voilà, non, ok, très bien. Ça ne veut pas. Alors là, c'est parti, on fabrique ça. Ok. Donc, très clairement, ici, il faut que je mette mes trucs partout. Ça descend à 72, mais ça va vite s'inverser. Là, on va claquer un peu d'influence, tant pis. Voilà. Et là, il y a toujours l'autre avec son campement là qui peut pas se développer parce qu'il y a un autre truc qui s'est développé à sa place quoi. Dommage. Bah ça m'aurait arrangé que ce soit le pacifiste qui se développe, j'avoue, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. 200 pour rattacher un territoire, ça commence à coûter cher. Hein. Et puis il va falloir se choisir une nouvelle civilisation. Tu l'as ça, ça y est? Ah ouais, je suis pour moi, putain. Ça y est pas encore, non? J'ai pris tellement de retard avec mon influence, là. Votre civilisation tire profit de sa proximité avec d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'ils sont tellement bons par à côté de toi que tu vas gagner de... Soit tu payes pour gagner tout de suite une techno, soit tu gagnes des points de recherche. Bah pour l'instant, ça me fait rien. J'ai juste accepté.
Ah oui, non, mais il faut que tu ailles sur la ville en question. Il y a un petit icône dans ton petit drapeau de ville. Sur la droite, hein, tu as le drapeau de ville avec le nom. Et sur la droite, tu as un petit icône, probablement une fiole. Oui. Les échanges entre les villes à côté pourraient mener à une avancée technologique majeure. Vous pouvez payer pour débloquer la roue. Non, mais tu te fous de ma gueule, il me reste... Il me reste 2 de science pour débloquer la roue. Bah si tu refuses, tu vas gagner de la science. Et débloquer la roue, du coup. Ouais, mais non, elle est... la tech de la roue, je suis en train de la rechercher, elle est quasiment terminée. Oui, mais si tu refuses, t'as une deuxième option en dessous. Alors attends, je vais cliquer. Osmose scientifique. Débloque pour 10 ou 45 de bonus de recherche. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, t'as ta roue. Bah du coup, j'ai débloqué la roue et j'ai commencé à chercher la suivante. D'accord, ok, je vois. Je fois. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Améliorer les cartes. J'ai un peu de thunes. Ne file pas un peu de thunes. Tant pis. J'aurais bien besoin d'un peu de thunes pourtant. Alors, ça y est, on a du cuivre et on a la roue. Et ça, c'est bien. On va pouvoir commencer à faire des unités un peu plus potables. Ah yes, ça y est, on a trouvé, voilà, le petit avant-poste. Pas de soucis, je repars, je voulais juste trouver ton avant-poste, il n'y a pas de stress, tout va bien. En fait, on va faire ça. Et on a terminé notre cercle de pierre, ça y est. Bravo. Par contre, ils sont un petit peu trop énervés, eux. 76 contre 63. Alors, combien il m'en faut des quartiers? Ou 3 technos? Plutôt 3 technos que 4 quartiers. Très bien, très bien. Bon, on est un petit peu étouffé, mais vu qu'on n'a pas la science de l'influence de toute façon de grossir, c'est pas trop grave. Ici, on va bientôt être amicaux avec eux. Ce sera une bonne nouvelle parce qu'ils sont un peu relous à se balader partout. Là, pas les renforts. Allez, on commence enfin à avoir une production d'influence qui ressemble à quelque chose. Ça fait plaisir. Ok, parfait. Quand il va nous falloir de la nourriture. Un jeu prophétique. La stabilité, je m'en fous complètement. S'il y a un truc qui est pas un problème, c'est bien la stabilité. Ok. C'est bon. On va le sortir, lui. On va le sortir parce que ce sera toujours mieux que perdre une troupe. On remarque que ça prend 3 tours, non? On va le sortir. Ah. Ok. Même chez lui, hein. Tu vas retourner chez nous. Je suis un peu triste parce que j'ai toujours pas réussi à trouver une seule curiosité qui me file un guerrier, quoi. Ouais, moi je suis plus vraiment en train de rechercher là. Ouais, bah moi c'est juste qu'il me reste 2 unités, j'ai pas de guerre ou quoi que ce soit, il me reste 2 éclaireurs qui se baladent et qui font leur vie quoi. Il faudrait peut-être que je les envoie vers là-bas d'ailleurs plutôt. Parce que si on veut pouvoir continuer de grossir, faut choper ça. Et hop. On va les envoyer par là-bas. Il est
plus fort que moi ou pas, lui, j'hésite. Il tire profit de faire partie de notre sphère d'influence. Hop là. Ouais, c'est pas forcément la priorité, ça. On va partir là-dessus plutôt. Après, on va faire ça et ça. Et ce truc-là. Tant qu'il n'a pas décidé de claquer une guerre, hein, on va se détendre un peu. Alors là, on pourrait attacher ça. Non, c'est beaucoup trop cher. Ok. Donc on continue ça. Toi, du coup, c'est toujours trop cher ça. Putain la vache quoi. Ah, c'est 126 qu'il faut pour l'acheter. Par transport naval. What? Ça picote, hein? Ouais, ça picote, ouais. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Parce qu'on est amico avec eux. Ça y est, on est amico. On pourrait les assimiler. Par contre, on a deux villes. Donc du coup, on serait dans le mal si on faisait ça. Pour l'instant, on va se retenir. En deux villes, tu vas perdre... Je serai à 3 sur 10, sur 10, moins 10 par tour d'influence. Les Olmecs compris sur 2. Les Celtes. 3 sur 2, c'est moins 2. Toi... Hop, tu vas te mettre en garnison là, et ici du coup... Ouais, un petit 16, c'est pas mal ça. 16 de science. Par contre on perd grave de la bouffe. Une bonne industrie, donc on va se permettre de faire ça, voilà. 28... 27, 26... 25. Où ils sont eux? Ils sont là. Ah mais putain. On se bouge. Ah 29. Mais il y a peut-être plus de trucs par ici en fait. Non, c'est le bord de map. C'est le bord de map, ok. Revenez un peu vers le centre du coup. Alors... compliqué, hein. Ma ville elle produit vraiment pas beaucoup. Moi ça va, c'est à peu près équilibré, mais le vrai problème c'est la nourriture. Moi produit 93, c'est faible là. On va essayer de pas perdre de pop si on peut. Ok. Notre nouveau 45 de bonus de science, et ben, très très bien. C'est clair que j'ai toujours zéro politique, quoi. C'est ouf, hein. Ah oui, c'est bizarre, ça. J'ai débloqué zéro politique, quoi. C'est super bizarre. Bah ouais, je fais avec ce que j'ai, du coup. Hein. Je ferais ça moi. Clairement pas besoin, je suis en train de faire une merveille. Bon, mon petit boost d'influence fait plaisir, même si clairement ça va me prendre du temps de regagner cette zone. Hein. Ah, il refuse. Ouais. 12 et 7, et là, 28, putain. Ouais, ok.
Alors on croise les doigts. On va devoir faire ça. Hein. Alors comment ça marche? Allez, c'est parti. Ah purée, il a réclamé le truc. Alors là on a un 8-14. Un 12, ah c'était 7. Sûr. Donc il faut revenir très vite. C'est pas mal ça. Il faut revenir très vite. On est à 871 sur 900. Et on a pile poil 29 au prochain tour. Ok, donc on va gagner un petit peu de gloire. Oh, le premier il est déjà à 2100 quoi. Ah bah oui hein. Ah merde. Ça fait mêlement mal. Tellement mal, tellement mal. Alors 13-15, c'est pas mal ça, 13-15. Pourquoi tu me proposais pas ça tout à l'heure? Passe le tour. Bah parfait, on pille ça. Alors là, on va faire un peu de nourriture, ça va nous permettre d'éviter de crever de faim. Ici par contre, c'est compliqué. Hein. On va terminer ça avec ça se termine dans un tour. Ça c'est pourri. Oh, il s'avance vers chez moi, lui. 4 d'industrie, c'est nul. C'est nul, putain. C'est complètement nul. Ok, bon, la stabilité, ça va. On peut rattacher aussi, mais pas tout de suite. On va se détendre. Bon après le rose il travaille sur les mecs mais il est lent, hein. Très très lent. Allez on est désynchronisé. Ah non. Bougeons pas. On est désynchronisé. Bah de toute façon il faut qu'on arrête l'épisode là donc. Ça marche. Et ben dans ce cas là on va s'arrêter là et on va se resynchroniser juste après. Et merci à tous. Ciao ciao.